le chef de l'État nous a appelés et nous a brièvement indiqué l'objectif qui les a amenés à agir, les raisons qui les ont amenés à agir et les objectifs à atteindre dans des brefs délais, c'est-à-dire ramener la paix, sécuriser les Burkinabés et réamener les populations déplacées dans leur localité. Ils comptent sur la classe politique, sur l'intelligence de la classe politique pour accompagner, pour faire des propositions dans ce sens. Nous avions déjà écouté ces déclarations. Nous avons donc dit qu'en tant qu'ex-opposition, nous allons apporter notre contribution dans un esprit patriotique pour que la paix revienne. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de relance économique. Alors qu'aujourd'hui, nous vivons déjà avec 8 millions de pauvres, avec 1 500 000 déplacés, et ça continue de tirer, mais peut-être que d'ici là, ça va changer. Tout le mal que nous pouvons lui avons souhaité, c'est de réussir sa mission, et nous prierons Dieu pour qu'il y parvienne. Je vous remercie.